suis Nyonshu Benaya, concepteur du Yada Worship. Je m'appelle le frère Junior Stéphane Yavoro. Je suis le responsable de logistique. Moi, c'est André Oku. Je suis le second concepteur de Yada Worship. Moi, c'est Nantouri, membre de Yada Worship. Moi, c'est Ebenezer Kambou, membre du groupe Yada Worship. Je suis membre de la queue en même temps, c'est ça. Je suis Sifoma Ambiro, je fais partie de Yada Worship 2014 dans lequel tu es le souverain. Et je suis membre de la queue en même temps, c'est ça. Pour moi, ce sera ma première fois, mais je participerai cette année avec plaisir. Oui, moi c'est ma deuxième édition. Nous étions déjà pour la première édition. C'est passé pendant l'édition 2013, qui était vraiment une reçue par la grâce de Dieu. Nous avons vu vraiment la manifestation de Dieu. Il y a une activité dans laquelle on touche presque tous les domaines de vie d'un chrétien. Dans les chants, les prédications. Et à part la participation, il y a la manière de se découvrir lui-même, découvrir ses propres talents. La motivation première, c'est d'abord mettre Dieu au centre de toutes choses, vu que c'est pour nous que nous allons, tous les membres vont participer. Et moi, je suis chorégraphe et j'aimerais vraiment le faire de tout cœur, en esprit, en vérité. Et c'est tout. Le Yada Worship a transformé ma façon de voir l'adoration. J'ai compris qu'est-ce que c'est que réellement adorer en esprit et en vérité. Mettre à côté l'aspect corporel, mais être réaliser vraiment qu'on est à la présence du Seigneur et l'adorer réellement en vérité en esprit. Il y a beaucoup des églises déjà, nous voyons. Il y a des adorateurs qui se rassemblent pour faire un concert, disons, pour rendre la gloire au Seigneur. Donc Yada veut dire, Yada Worship veut dire lever les Seigneurs les mains levées. J'invite vraiment mes frères et sœurs de venir découvrir la grandeur de notre Seigneur parce que lui, il est digne d'être loué, d'être adoré, si c'est lui le souverain. On vous invite tous nombreux pour venir célébrer, adorer l'Éternel avec nous. C'était bienvenu et venons nombreux, car Dieu est merveilleux. Je vous invite à venir le 19 avril. Venez, vous n'allez rien rater, vous allez gagner encore plus Christ dans votre vie et ça sera encore formidable. Nous vous invitons, les salles sont ouvertes, que vous puissiez venir pour pouvoir participer à cette gloire que le Seigneur veut vous donner cette année nouvelle 2014. Chers frères et sœurs, rendez-vous pour le Yada Worship édition 2014. Nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te louer, Yada Worship. Ouais. Ouais.